suis arrivé à Port Augusta, c'est une petite ville toujours sur la côte quoi, avant le désert, je sais même plus où je suis, tu vois, peu importe. Et il fait vachement chaud. Et bon là il est midi et demi. Et en fait il y a un événement public, on est dimanche et il y a tous les pompiers, tous les flics, tout le monde quoi, qui font une sorte de présentation en fait de leur camp et de leur profession respective. Il y a même des chevaux là-bas. Donc ouais, je suis plutôt bien tombé et c'est pas mal parce que comme ça j'ai garé la moto juste à côté, personne ne voudra la voler, tu vois, sachant qu'il y a des flics partout. Et non, c'est sympa, il y a vachement plus d'aborigènes que à Melbourne et tout, donc là j'entre vraiment dans le cœur du pays quoi. Un jour j'aimerais bien avoir ça quand même hein. Un jour j'aurai ça. Mais bon, pour l'instant c'est lui mon bébé. Hein, pas vrai? Même si c'est peut-être un peu tard, j'aimerais quand même te donner un petit peu de contexte pour comprendre mieux cette histoire. Il y a 6 ans, mon père m'amène un jour dans un concessionnaire Harley-Davidson. C'est la première fois que je vois des motos pareilles. Je sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai été frappé par ces machines-là. J'ai tout de suite voulu en essayer une et j'ai tout de suite voulu avoir mon permis et explorer le monde dès que j'ai vu cette moto-là. Ça, c'est un dessin que mon père m'a fait pour mon anniversaire de 16 ou 17 ans, je crois. Peut-être 18. Et c'est là que pour mes 18 ans, le père de ma copine à l'époque m'invite à l'accompagner à un événement Harley-Davidson, pas très loin de chez moi. Et j'ai complètement halluciné. J'étais à l'arrière et c'était la première fois que je me retrouvais un peu comme dans les festivals, tu sais, aux États-Unis où toutes ces Harley, des milliards de Harley se retrouvent dans une seule ville. Il y en avait de tout, il y avait de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les types, de tout. Et là, j'ai une espèce de désillusion. Je me rends compte que là, j'étais sur la Harley. Bon, j'étais à l'arrière, je conduisais pas. Mais ça me faisait pas grand-chose. Je savais pas ce qui s'était passé, mais tout s'était complètement évaporé en même pas une journée. Même si le festival était génial, mais j'ai eu une vraie désillusion. Du coup, j'empoche mon bac et je pars sur Agen pour faire mes 2 années de DUT. Et la moto passe sous silence. Quelque part, ça s'était complètement évaporé. Et là, en Australie, un gars me dit dans la boîte de déménagement qu'il compte faire un road trip en 4x4 à travers toute l'Australie. Et j'avais entendu la veille que le permis moto était à 400$. Je me dis, attends, 400$, est-ce que c'est pas le moment de le faire quand même? Et me voilà, la flamme réallumée et moi sur les routes alors que j'y connais rien à la moto. Mais c'est pas grave, je bouffe l'asphalte, j'y vais quand même. Je me suis aventuré dans un espèce de camping dans le bush quoi, enfin je suis vraiment au milieu de nulle part, tu vois, mais vraiment au milieu de nulle part. Et j'ai rencontré des gens qui vivent dans un bus, le bus qui est juste derrière moi là, tu vois, et je leur ai parlé vite fait. Et ça fait 10 ans qu'ils sont sur les routes. Par contre, ce qui est horrible, c'est que je me fais bouffer par, il y a des mouches qui bouffent, tu vois, tu sais, c'est pas les mouches plates, mais c'est un truc qui bouffe comme ça et ça arrête pas. Donc là c'est vraiment hardcore, c'est la guerre quoi. Ils m'ont dit qu'il y avait des serpents vite fait de temps en temps, mais que ça devrait le faire, qu'en 3 semaines ils en ont vu genre 2. Et là-bas, il y a l'océan, juste là-bas avec un sable mais blanc, mais j'ai jamais vu ça. Donc vraiment aujourd'hui c'était un peu le jour des challenges, parce que pour arriver ici c'était une espèce de dirt road avec de la terre et tout, tu vois. Et j'étais crevé, il y avait 10 km à faire comme ça, et au début je m'aventure, je me dis mais ah non mais c'est mort, je fais demi-tour, j'y vais pas, tu sais, j'ai même pas les pneus pour ça, moi j'ai des pneus de route et tout. Et au final je me suis dit allez, tu vois, allez vas-y, ce road trip c'est tout tourne autour de vas-y jusqu'au bout, donc vas-y jusqu'au bout, et pour l'instant ça vaut le coup quoi. Vraiment un camping style bush avec des gens qui vivent dans un bus depuis 10 ans. Des bars ? Waouh, bon là tu peux probablement pas me voir, mais enfin je sais pas en fait. Et peut-être que tu me vois, je sais pas. Et là en fait je suis toujours dans ce camping là et je suis avec un gars, bon là il est allé pisser, mais il m'apprend un peu à lire les étoiles, il m'a montré comment lire la croix du sud. La,
la casserole, une étoile qui s'appelle Saucepan, je crois que c'est une casserole à sauce ou je sais pas quoi. Et la ceinture d'Orion, aussi nommée le scorpion, et oh, c'est incroyable. Et avec la croix du sud, tu peux toujours savoir où se trouve le sud, c'est un truc de malade. Si tu savais le nombre d'étoiles qu'il y a au-dessus de moi, je vais essayer de prendre des photos. Yeah. And it's a small one. It's a small one. Do you think it's dangerous? I don't want to find out. I reckon it would give you a sting. Can you zoom more? Oh, he moved. Shit, he's moving. It is a different aspect. This is not funny. If there is stuff like that in the outback, is it the first one you ever saw? I knew they were down here, but I hadn't seen. Down at Port Gibbon, yeah. 1 year, about 3 years ago, a friend of ours, he saw about 4 or 5. And the smaller are the more dangerous, right? Probably. Fucking hell. See how he brought his tail up? Yeah. They've got a little. And the sting is out now. Yeah, see the stinger? Yeah. Yeah. Putain, mais il y en a partout. C'est le quatrième qu'on voit là. Ils sont partout sur le chemin. J'ai vraiment bien fait d'avoir ma lampe de torche. Là, ça déconne pas là. Putain. On va faire gaffe parce qu'il m'a dit que sur le chemin il y avait des serpents aussi. Non mais là des barres là, c'est plus du camping de. C'est plus du camping de Pioui à Dibou là. Là c'est sérieux là.